Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc en quelque sorte le suivi d'élevage donc des 1000 pattes que j'ai trouvé. Donc je suppose d'avoir trouvé des géophiles. Donc pour cela, pour confirmer mon hypothèse, donc j'ai pris de petits vers de terre. Donc je leur mettrai. Donc voilà. Le substrat. Comme je l'avais dit, si je me trompe pas, je l'ai dit dans la vidéo précédente, donc il est composé de terre, de compost de mon composteur et des feuilles broyées, enfin en petits morceaux, et du bois. Donc après, pour la taille adulte, je ne sais pas pour l'instant, vu que j'ai pas encore, je ne suis pas sûr de l'avoir identifié. Donc voilà. Après. Donc là, comme je vous l'ai dit, j'ai pris des petits vers de terre pour tester. Donc si j'en retrouve dès qu'ils sont mangés, ce sera des géophiles. Sinon, je ne sais pas trop. Donc voilà. Donc je vais vaporiser un petit coup. Donc voilà, je vais vaporiser un petit coup, mais je ne sais pas si vous allez le voir. Donc dans l'angle ici, vous verrez un petit truc qui bouge. Donc voilà. Donc maintenant je vais mettre les vers de terre. Donc voilà. Donc comme vous le voyez, ils essayent de s'enterrer. Donc ça c'est pas gênant parce que les 1000 pattes que j'ai là, ils vont sous terre et ils remontent à la surface de temps en temps. Surtout quand je vaporise. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée d'un géophile, vu que les vers de terre, quand c'est mouillé, quand il pleut ou quoi, ils ont tendance à sortir, et là ils ont le même comportement, donc c'est pour ça. Donc voilà, la vidéo se termine. Donc surtout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me fait vraiment très plaisir, surtout que là on est à 31 abonnés maintenant, donc ça augmente petit à petit, mais c'est de mieux en mieux. Donc voilà, bon allez, ciao.